Philippe Cadry et je viens de faire éditer chez Labor et Fides un recueil d'articles pour moitié inédit de Jacques Ellul sous le titre de « Vivre et penser la liberté ». Dès le départ, j'ai découvert un chrétien qui souhaitait être présent dans le monde moderne et ça m'a très intéressé. Ce livre fait 32 chapitres. Je souhaitais, même s'ils sont indépendants, il y a quand même beaucoup de liens entre les deux. Il y a un index thématique, un index des personnes, un index évidemment biblique, de manière à ce que ce livre serve à la fois, on va dire, à ceux qui découvrent Jacques Ellul, pour aller chercher des informations pas forcément évidentes, mais éparses dans les textes, mais aussi ceux qui le connaissent très bien, de manière à approfondir certains thèmes. J'ai voulu faire trois parties, une partie sur la société et donc les institutions, donc une partie donc société et puis christianisme. Ensuite, une deuxième partie qui est la partie centrale, la partie la plus existentielle, qui s'adresse à l'individu, à l'homme, face à cette liberté, et la personne qui est l'auteur pour Ellul de la liberté, à savoir Dieu. Donc le rapport qui est un chemin de foi, qui conduit, où Ellul a identifié à la fois le combat pour la foi, le combat de la foi et le combat de la liberté, au point d'ailleurs que un commentateur d'Ellul a pu dire que Ellul ne distinguait parfois pas la foi de la liberté, la liberté étant le fondement pour lui de la vie humaine et de l'homme en tant que créature, qui répond à Dieu qui le libère sans cesse de ses entraves. Et puis une troisième partie à laquelle je tenais aussi pour montrer toute la diversité de l'écriture d'Ellul, non seulement des articles de fond, un essai de 70 pages, des articles parus dans différentes revues, souvent oubliées, mais aussi des transcriptions de conférences, mais je voulais aussi des articles de presse, puisqu'Ellul, très vite, après-guerre, a beaucoup écrit dans la presse. Je voulais couvrir toute la vie, toute la production littéraire de Jacques Ellul, depuis les années 30 jusqu'aux années 90, puisqu'il n'a cessé d'écrire, et avec le leitmotiv, ce combat pour la liberté, qui est comme ce fil rouge de toute son œuvre. Ellul refusait le titre de philosophe. Moi, j'ai une interprétation toute personnelle, c'est que, étant un philosophe de la technique, je crois qu'il ne voulait pas être associé à Heidegger, même si on l'a associé à Heidegger en disant qu'il essentialisait la technique et qu'il s'était inspiré d'Heidegger, ce qui est faux. Il a peut-être, il a lu, évidemment, on le sait, Junger, le frère de l'écrivain, qui a influencé Heidegger, mais on sait maintenant que Technique ou l'enjeu du siècle, son grand livre sur la technique, paru en 1954, alors que la conférence sur la technique d'Heidegger est plus tardive, eh bien, a été écrit en 1950. Dès ce texte initial, il souhaitait faire un livre en deux parties, et même en plusieurs parties, avec des analyses sociologiques qui font tout le livre tel qu'on le connaît, Technique ou l'enjeu du siècle, alterné avec des chapitres théologiques. Alterné aussi avec des interludes littéraires. Donc il y avait comme ça une unité, et c'est ce que j'ai voulu recréer en rassemblant ces textes divers, dont « Vivre et penser la liberté ». Ellul dit d'entrée de jeu que la liberté, on ne peut pas la définir. On peut la vivre, mais on ne peut pas la définir. C'est finalement une définition très existentielle. Cette liberté n'est certainement pas... la liberté, qu'il appelle la vraie liberté, n'est pas un droit, n'est pas quelque chose que l'on peut posséder, mais c'est vraiment quelque chose qui est donné. Cette liberté, pour lui, c'est saint Paul qui la résume le mieux possible dans l'Épître aux Galates. Il dit que Christ nous a libérés et qu'on ne doit pas servir de cette liberté comme prétexte pour s'opposer aux hommes qu'on doit servir et aimer. Et cette liberté ne peut pas être donc une liberté de tout faire, mais ça doit être une liberté, il y revient très souvent, polarisée par l'amour. C'est-à-dire que ma liberté, effectivement, je peux tout faire, mais si je ne fais que ce que mes pulsions me poussent à faire, c'est la preuve que je ne suis pas libre. Donc je suis... En cela, il s'oppose radicalement à Rousseau.
Rousseau dit que l'homme est bon par nature et que si on explique bien les choses, si on démonte les structures du monde, si on peut voir ce qui est bien, ce qui est mal, l'homme pourra librement choisir. Ellul est radicalement contre cette vision, parce que pour lui, elle est anti-biblique. L'homme, par nature, est pécheur. L'homme, par nature, est coupé de Dieu. Il se veut autonome, il est autonome, mais il est rempli de déterminisme, à commencer par ses pulsions, à commencer par des déterminismes intérieurs, mais aussi des déterminismes extérieurs. Alors, il a inventé des moyens pour augmenter son autonomie, pour augmenter sa puissance. Mais, dit Ellul, plus la puissance de l'homme augmente, plus il s'arrache de ses déterminismes, et moins il est libre. Il dit, il dévoile aux lecteurs que nous sommes, semble-t-il, des vérités, comme si des écailles de nos yeux tombaient et on constatait effectivement les structures du monde sont celles-ci. S'il est actuel, c'est peut-être parce que justement il ne s'intéresse pas à l'actualité. Il le dira dans une image maritime, il aimait beaucoup la mer et la navigation. L'actualité, c'est le dessus des vagues, c'est l'écume des vagues, alors que lui s'intéresse au courant marin, au courant de fond qui structure la société. Et voilà pourquoi, certainement, il est aussi actuel et peut-être plus encore au XXIe siècle qu'il ne l'était au XXe siècle. Au XXe siècle, quand il annonçait que la technique était en train de détruire la personne humaine, on ne le croyait pas, on s'en moquait. Aujourd'hui encore, évidemment, si on est persuadé que l'homme est libre par lui et par lui-même, on peut effectivement trouver ça stupide. Maintenant, on commence à avoir des doutes, malgré tout. L'idéologie du progrès se fissure, même si le progrès est toujours présent, remplacé sous la forme de l'innovation. Cette actualité est toujours brûlante. Ellul, tout au long de sa vie, se sera opposé à ce qu'il appelle les puissances. La technique en fait partie, l'argent en fait partie, et l'État aussi en fait partie. Un État qui exerce un pouvoir de plus en plus important, ne peut que faire disparaître les libertés, puisque l'objectif de l'État et d'ordonner les choses, et il est bien que les choses soient ordonnées, et de redistribuer les biens, et il est bien que les biens soient distribués. Le seul problème, dit Ellul, c'est lorsque l'État veut ordonner à la fois les choses et les hommes. Et actuellement, sous couvert de sécurité, forcément, Ellul dit, vouloir la sécurité, c'est vouloir abandonner la liberté. Et demander à l'État des solutions, c'est forcément aussi abandonner des libertés. Demander à l'État une solution au problème de la baisse du niveau de vie, demander à l'État des solutions au problème de la sécurité face à la recrudescence de sectes ou de l'islamisme, demander à l'État des solutions toutes faites, vont forcément se conduire par des solutions étatiques qui seront des solutions techniques, qui seront des solutions efficaces. Et effectivement, l'État répondra correctement. Mais ça se priera au paix de libertés individuelles et collectives. La lecture biblique ne suffit pas pour Jacques Ellul. Il faut aussi comprendre le monde, il faut le connaître pour pouvoir être présent, pour pouvoir être ce sel de la terre, pour pouvoir être cette lumière du monde. C'est les expressions qu'il emploie, tirées évidemment des évangiles. Dès son livre inaugural qui s'appelle « Présence au monde moderne », il est nécessaire de comprendre le monde pour pouvoir être cette lumière et être ce porteur de liberté.